Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Ah, Emmanuel Kemta, direct. Ah, ouais. Non, 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 vous avez raison. Non, 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 non. J'arrête le direct. Je ne savais pas. Je n'ai pas vérifié. C'est vrai que là, il a décidé de communiquer, mais il était question. Je devais sortir avant. Voilà, je devais sortir avant le combattant Emmanuel. On ne s'est pas coordonné. Mais ce n'est pas un problème. On ne s'est pas coordonné sur le timing. Donc, s'il a lancé le direct, j'arrête le direct. Il faut le dire avec aussi beaucoup de gentillesse. Je ne suis pas là dans une guéguerre. Et la moindre des choses, nous, depuis hier, nous, on est concentrés sur son problème. Donc, je n'ai aucun intérêt à communiquer quand il est en ligne. Voilà. Il va bientôt. Il a fini. Ok, merci, Enzo. Il a fini. Il faut parler. Quand vous voulez passer un message, n'entrez pas toujours dans la polémique. Ne pensez pas que nous, on fait les trucs. Je n'étais pas au courant qu'il était en direct. Ça, je suis sincère. Et même, depuis hier, nous sommes mobilisés, même tout à l'heure. Nous sommes mobilisés pour son problème. Il était question, moi je devais sortir avant, mais j'ai eu quelques petits empêchements. Je n'ai pas vérifié si c'était. Il devait faire le direct, certes, mais je n'ai pas vérifié. Donc si vous voulez me passer, dites-moi tranquillement que le grand frère Emmanuel, quand même, était en direct. Il arrête tranquille. Il ne va même pas faire, je ne sais pas pourquoi. Ah ok, il a fini. Ok, ça va. J'ai arrêté le direct. Non, non, moi je respecte tous ceux qui sont dans la même logique que nous. Le même non faire le travail. J'ai pas le droit de vouloir. Je veux pas. Je suis pas là pour disperser les vues. Moi j'aime pas faire ça. Et ceux qui me connaissent, voilà. Donc quand vous voulez passer une telle information, vous me dites gentiment, tranquillement que Stéphane, Emmanuel est en direct. Et j'arrête. Ok. Merci de me confirmer qu'il arrête. C'est bon. Parce que les gens sont toujours dans la polémique, toujours vouloir trouver la polémique. Non, non. Je tiens à vous dire que depuis hier, nous sommes mobilisés avec d'autres combattants pour la libération de Mayan. On s'est convenu, il était question qu'il fasse une sortie, certes. Mais moi, j'avais prévu depuis le matin, je vais finir. Mais je ne pouvais pas sortir tant que le caporal n'était pas libéré. Donc, on s'est convenu, je devais faire une communication, mais lui, il devait être plus précis. Mais après, on n'a pas arrêté le timing, etc. Parce que moi, j'ai eu un autre contretemps. Donc, il a dû lancer parce que les gens, voilà, attendaient. Donc, c'est tout. Mais vraiment, ne voyez pas les problèmes partout. Je vous en prie, quand vous voulez passer ou bien diffuser une information, ayez un peu de courtoisie dans ce que vous faites. Ne voyez pas toujours l'esprit de polémique. Bonsoir, c'est tout, c'est pas l'objectif. Hein. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Merci d'être voilà. Merci voilà, d'être connecté. Merci, on va vite faire. Vraiment, merci, merci d'être connecté. On se connaît, on partage vite fait et on lance. Ok. J'espère que vous allez. Ouais, c'est très flou. Ça, il y a quelqu'un qui me dit que c'est très faux. Ça, je l'ai remarqué. C'est un souci. En fait, c'est le téléphone qui est déjà. Ouais, il meurt. Il meurt. Il meurt le téléphone. Mais on va arranger. Donc, je ne peux plus rien faire. Le téléphone a eu beaucoup de problèmes, de tracasseries. Mais on va arranger. Si le RDPC, hein, comme on dit qu'on était nous infiltrés, si le RDPC nous donnait l'argent, c'est qu'on achetait vraiment les grands appareils. Vous voyez qu'on est très modeste. On fait avec les moyens de bord. Mais on essaye de voir. Ok, le moment viendra lorsqu'on aura les moyens, on va acheter un très bon téléphone pour faire le direct. On y pense. Je sais que ce n'est pas très bien la qualité de l'image, mais le plus important là, on va faire avec. Mais lorsque nous allons avoir quelques petits moyens, on va acheter un très bon téléphone pour vous offrir la bonne qualité d'image. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, on va faire avec pour le moment. Bonsoir, 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 bonsoir et rebonsoir à tout le monde. Vraiment. Je suis très content de me connecter ce soir parce que depuis hier, on n'avait pas la tête tranquille. Et vous avez vu l'information, je pense que la personne indiquée, le caporal grillé Mania Kenta, vous a donné tous les détails de ce qui s'est passé. Enfin, il a retrouvé sa famille, c'est le plus important. On continue d'être mobilisé. Donc, vous pouvez comprendre que dans ce combat, beaucoup s'y donnent, s'y engagent. Mais il faut comprendre que nous sommes suivis, nous sommes écoutés. Et ils savent la capacité de chaque individu dans ce combat. Donc, il vous a tout dit. Donc, il y avait une nette volonté de ne pas voir le caporal grillé à cette manifestation. Mais, merci parce que les choses se sont passées très bien. Mais avant de lancer, d'entrer dans le vif du sujet sur la manifestation, je vais féliciter un monsieur qui n'est pas peut-être très connu de certains, parce que lui ne fait pas trop de direct, il est sur la toile. Mais je veux personnellement le saluer. Moi, je suis très chiche en compliments, ça c'est vrai. Mais personnellement, c'est quelqu'un que j'admire profondément, qui a un sens de la modestie, de l'humilité. Un aîné que j'ai côtoyé depuis que je travaille avec lui, que je côtoie. J'ai vu la dimension de quelqu'un de génial, de magnifique.
incomparable. Il s'agit de la personne d'Eli Kadji. C'est un combattant qui est basé à Bruxelles, qui est d'ailleurs le père membre fondateur du CODE, avec les grands frères Marcel Tchangui, les Hugues, etc. Et qui était le président d'organisation de cette sortie de la diaspora. J'ai vu quelqu'un de flexible, quelqu'un qui peut rapprocher toutes les positions. Quelqu'un autour de lui fait l'unanimité. Et ça, je salue le professionnalisme de cet homme, le tact qu'il a su utiliser pour mettre ensemble des gens qui ont souvent des opinions divergentes. Et j'ai vu quelqu'un gérer des provocations, des après-provocations, qui a usé de la diplomatie pour calmer les positions des uns et des autres, pour qu'on n'instrumentalise pas notre réussite, pour qu'on ne pervertit pas notre réussite, notre succès. C'est le grand frère Eli Kadji que je vais saluer personnellement. Il y avait toute l'équipe qui l'a accompagné. Bravo, bravo. Je veux vraiment l'honorer pour ça. Vous savez, la sortie d'hier était la démonstration parfaite, ça je vais le dire, que le peuple camerounais a su identifier le leader qui pouvait porter ses aspirations profondes. Et c'était une réussite véritable parce que la mobilisation du 3 juillet, nul ne peut ignorer les querelles, les divergences, le bavardage, la campagne de sabotage, de manipulation. Jusqu'à la veille, on a payé des médias gages pour démobiliser les Camerounais pour qu'ils se retrouvent. Il y a quelqu'un qui me dérange. Putain, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un me dérange. Il y a un numéro qui me dérange. Il savait qu'on peut me dire. Donc, hier, après tout ce que nous avions vécu, comme campagne, toute la polémique, tout ce qui s'est passé autour de la mobilisation, de la campagne, de la mobilisation du 3 juillet, nous étions surpris de voir que les Camerounais, avec les restrictions de cette pandémie, de cette maladie Covid, où on n'estimait pas voir cette mobilisation, où on a payé quelques petits Camerounais, soi-disant patriotes, de nous attaquer, d'attaquer cette mobilisation, ou même au sein de la famille résistante, vous aviez des points de divergence où on se demandait à un certain moment, mais pour qui est-ce que c'est un travail? Pourquoi veut-il faire plaisir à ceux de nos adversaires, alors que le moment qui se présente à nous est un moment où nous devons renforcer nos rangs. Nous devons regarder dans la même direction. Nous devons être unanimes, plus que forts, parce que nous avons été attaqués. Le 3 juillet précède un moment où vous aviez un allié fort du professeur Maurice Kamto, qui lui avait ses sbires, ont décidé d'attaquer la résistance. Ont décidé d'attaquer le professeur Maurice Kamto. Ont décidé d'attaquer sa notoriété. Vous aviez, pendant ces périodes où vous aviez ceux qui marchaient, qui étaient engagés dans le MRC, on assista à des démissions dans les rangs du MRC, de certains calibres, des gens même qu'on n'espérait pas, en qui nous avons fait confiance, plusieurs, comme ce docteur dont on nous a parlé, Foulefa, le dernier encore, dont on ne pouvait pas imaginer sa démission, mais qui était non seulement qui voulait démissionner, mais qui voulait organiser une démission massive dans les rangs du MRC, pour démontrer que le MRC est en train de mourir. Non seulement le MRC, mais pour démontrer que Maurice Kamto expérimente une impopularité politique incroyable. De plus en plus, les gens se détachent de la vision de Maurice Kamto.
On traverse au moment où le président qui était en résidence UV, il n'y a vraiment pas eu de campagne de mobilisation qui s'est faite autour de sa personne. On sent un moment où, dans la toile, ça a été des guéguerres, où on a contribué à démobiliser ceux qui sont toujours restés en éveil pour notre résistance. Ceux qui ont cru, qui continuent de croire en ce combat. Et les gens se disaient, est-ce qu'on va arriver? Les gens, la crainte, est-ce que nous allons réussir? Ou il y a même une certaine polémique qui a été entretenue. En faisant croire que non, le président devait être à la manifestation. Où on a laissé communiquer que le président devait être avec nous. Ça devait susciter peut-être de la mobilisation, de l'engouement de plusieurs de venir. Mais après, aux dernières minutes, il y a un communiqué qui nous expliquait, nous on l'attendait, ça c'est vrai, mais il y a un communiqué qui venait nous dire non, le président ne serait plus là, ne viendra plus. Mais certains ont utilisé ça pour attaquer la mobilisation, pour s'attaquer à la mobilisation de 3 jours, pour fragiliser cette mobilisation. Mais ceux qui sont restés convaincus que la diaspora peut faire quelque chose, la diaspora compte encore plus. Même la communication n'a pas été aussi celle qu'on attendait. Moi, personnellement, mon agenda ne me permettait pas. Pour ceux qui me sont proches le savent, c'est peut-être le temps pour moi de préciser que depuis le 15 avril, je vivais une situation très difficile. Je ne voulais pas partager avec plusieurs. Sur le plan familial, moi j'ai ma mère qui est entrée dans le coma. Depuis le 15 avril, c'était très dur. Et ceux qui le savent, ma mère m'est très chère. Non seulement parce qu'elle est ma mère, mais parce qu'elle est une source d'enseignement pour moi. Parce que derrière ma mère, il y a une histoire. Peut-être vous l'auriez, hein. Il y a des trucs que je suis en train de faire sous le cadre. Parce que je pense que nous, en tant qu'enfants, on doit valoriser nos parents. On doit montrer ce qu'ils ont fait pour nous d'aussi cher. Ma mère, pour moi, peut-être après mon père, ma mère a été un enseignement de par sa vie, de par son comportement. C'est un témoignage que je ne vais jamais cesser de le dire. Ma mère, sur le plan comportemental, elle est adorable. Je n'ai jamais vu une telle créature. Sincèrement, je suis fier d'avoir une telle maman. Et j'ai eu un coup. Et malheureusement, moi, je suis le seul ici, avec ma maman, bien évidemment. Donc, vous savez, la société européenne, elle est très individualisée. C'est chacun qui doit faire. J'étais obligé d'arrêter tout. J'ai fait 2 mois d'absence. Je n'ai vraiment pas communiqué. Parce que je perdais celle qui m'a enfanté. Et on n'attend pas la maladie, donc c'était vraiment très difficile. Et c'est son médecin traitant qui m'appelle, ça ne va pas, vous devez voir votre mère. Elle peut partir, c'était très dur. Mais merci parce que autour, j'ai beaucoup de soutien, les membres de la famille, mes frères, mes cousins, beaucoup d'amis, même dans le combat, il y a beaucoup qui m'ont soutenu par ce mois. Et c'est le moment pour moi de leur dire merci pour cette solidarité. Et vous savez ce qui a été exceptionnel et génial pour moi? Ma mère, pour le moment, elle est en phase de convalescence. Elle ne doit pas encore sortir. Hier, j'ai mon cousin, Sylvain, que j'aime bien, que j'adore. Lui, c'est le fils de ma mère, lui aussi. Il adore ma mère comme je l'aime aussi. Qu'il décide de se balader avec ma mère. Il décide de prendre sa voiture, qu'il veut se balader. Moi, je n'étais pas au courant. Et moi, je suis engagé, je suis mobilisé pour la place de la République. Et il m'appelle, il me dit, ils sont pas loin de la place de la République, ils veulent qu'on mange ensemble. Je dis, ok, je vous accorde quelques minutes, mais moi je suis bousculé par rapport à la mobilisation. Je mange, et après je dis, bon, il dit, bon, il va raccompagner ma mère. Tout ça. Ma mère me dit, elle n'est jamais venue dans les manifestations. Toutes nos manifestations là, pareil, elle n'est jamais, bon, elle n'est pas politique, c'est pas trop son truc. Mais elle me dit toujours, c'est ce que tu as choisi de faire, que les ancêtres te guident. Moi je peux rien dire, je suis juste ta maman. Elle ne m'a jamais découragé dans ce que je fais. Tout ce qu'elle fait, comme tout maman peut dire à son fils, sois prudent, mon fils. Parce que je sais ce que tu es. Je sais ce que tu dégages. Je sais le combat pour la justice que tu mènes. Même dans la famille, je sais ce que tu fais. Tu fais. Mais moi, j'ai peur. Les gens ne supportent pas des gens justes et vrais. Moi, j'ai peur. Sois prudent. Mais ma mère n'est jamais venue. Jamais. On lui dit, même s'intéresser à mes trucs, qu'elle ne regarde même pas. C'est des gens qui disent, ah mais ton fils, elle a toujours des échos, des retours. Hier, lorsqu'on finit de manger,
Moi, j'ai dit, ok, bah, vous rentrez, moi, je continue. J'ai traversé. En fait, le restaurant n'était pas loin de la place de la République. Elle me dit, non, je vais venir voir ce qui se passe. J'ai dit, mais maman, tu ne peux pas tenir debout. Tu es fatigué. Il faut. C'est bon. Elle dit, non, elle va venir. Ma mère est venue. Elle a fait presque 40 minutes la place de la République. Il y a certains combattants qui l'ont vu et qui l'ont salué. Mais elle ne pouvait pas tenir, j'ai trouvé un endroit, elle s'est assise. Elle écoutait, je lui dis, mais maman, mais pourquoi tu as fait médecine? Tu as sacrifié presque 2 mois. Je sais combien tu aimes ton combat et ton activité, mais tu l'as sacrifié pour m'assister, pour être près de moi. Même si je sacrifie quelques minutes aussi pour t'encourager pour ce que tu fais. C'est génial pour moi. Et j'étais touché. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous aviez un parent, et tout le contexte politique au Cameroun, où la politique a une autre connotation, où la politique a une autre vision, où on se dit que toujours la politique est contre la morale. La politique, c'est le meurtre, c'est la sorcellerie, c'est tout ce qui est inhumain, tout ce qui va avec. C'est pour ça que les gens sont prudents. Il faut se dépersonnaliser. Mais quand vous voyez un parent qui vient vous donner l'onction, elle vient reste, c'est un sens pour moi. C'est pour ça, hier, pour ceux qui ont vu les vidéos, j'ai dit, c'était fort. Le fait que ma mère aussi décide d'être présente pour communier ce moment, c'était une très grande victoire. Donc, la mobilisation d'hier, on n'y croyait pas. Mais j'ai vu des Camerounais voyager partout en Europe. Partout. La plupart savaient que le président Maurice Kamto ne devait pas être là. Seulement à écouter son nom. Si c'est pour le président Maurice Kamto que les Camerounais de la diaspora se mobilisent, nous allons prendre les tickets de train, les billets d'avion, nos voitures et venir sur la place parisienne à la République démontrer notre soutien à ce type. Chers frères, pour ceux qui étaient sceptiques, qui ne croyaient pas, vous avez vu seulement, au son du nom de Maurice Kamto, les Camerounais se mobilisent. Son nom a une telle légitimité que les Camerounais ont décidé de se mettre ensemble pour lui apporter le soutien. Donc le grand défi, Dia, c'est un défi de dire, parce que c'était très écouté, très regardé. Nos adversaires ont suivi beaucoup plus. C'est pour ça qu'ils ont plus réélé les petits incidents. Sauf si c'est des choses que nous allons gérer, qui nous n'apprécions pas beaucoup, mais qui n'ont pas entaché la réussite de notre événement. Mais il y a des gens qui voulaient détruire le succès et la réussite de cette mobilisation d'hier pour rester dans les faits divers. Et ce qui est exceptionnel, c'est que les Camerounais de la diaspora ont finalement compris que le titre foncier de la révolution en diaspora n'appartient à aucun individu. C'est ce qui m'intéresse. Je suis content parce que le 3 juin a démontré qu'on ne peut pas faire le chantage à la résistance. Si vous décidez de vous arrêter en chemin, il y a d'autres Camerounais qui sont prêts à reprendre la machine à main et faire fonctionner la machine. Le combat, ce n'est pas l'enfantillage. Le combat, ce n'est pas l'enfantillage, c'est autre chose, c'est une autre dimension de la politique. On n'est pas là pour regarder les humeurs des uns et des autres. Le plus important, c'est l'efficacité de ce que nous devons faire. Mais s'il faut perdre le temps à gérer les humeurs des uns et des autres,
nous allons perdre l'objectif. Donc la notion d'indispensabilité dans le combat doit s'effacer, doit cesser. Et hier, la sortie du 3 juillet a démontré qu'aussi vrai, on peut être important, chacun de nous, mais nul n'est indispensable pour le fonctionnement de notre combat. Est-ce que nous devons gagner? Donc je nous exhorte à avoir un sens de la modestie et de l'humilité. De ne pas renfermer ce combat sur une personne. Les hommes passeront, mais seules les idées triomphent dans le temps. C'était tellement magnifique. Magnifique. On a vu une démonstration. Nous avons donné un sandam politique à la France et au régime de Paul Biya. C'était un sandam politique. Tous ont bu la tasse hier devant la force de la diaspora. Et ceci, c'est par la contribution de toutes les chapelles idéologiques qui peuvent exister. J'ai vu pour une fois l'harmonie de plusieurs entités qui ont compris. Ici, pour la reçue du 3 juin, on doit taire nos chapelles. Faisons triompher la mobilisation pour faire passer un message, non seulement au régime de Yaoundé, mais à leur parrain, la France. Et le sandam politique était de taré. J'ai reçu les coups de fil hier, même aux États-Unis. Les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas que la mobilisation pouvait parler. Méfiez-vous des Camerounais. Ils savent ce qui est juste et important pour eux. Le professeur vous a remercié, non? Ce type connaît sa communication. Il connaît sa communication. Vous voyez où la soirée passe? Non! C'est un fin stratège. Quand vous voyez la communication, ce monsieur ne paniquez pas. Il sait ce qu'il fait. Mais regardez, les gens croyaient qu'il vous a désavoué. C'est faux. C'est mal connaître, c'est méconnaître cet homme. C'est pour ça que ceux qui l'assument comme les leaders, je vous félicite. Vous avez compris le sens de la dimension, là où vous nous amenez. Que ceux qui sont dans les rêveries, qui vous font croire que vous êtes dans le culte de la personnalité, qui sont des idiots. En fait, c'est des gens qui ont des petits calculs. Donc, quand ils voient votre amour, soit ils attaquent et disent vous faites le culte de la personnalité, soit ils en vont sur le chemin, le plus dangereux, le tribalisme. On vous renferme, on vous régionalise. On commence à dire, c'est le peuple américain, non. On cantonne. C'est pour ça que vous qui avez la maturité politique, vous qui comprenez ces choses, vous qui pensez République, ne vous fermez pas dans des conceptions villageoises de la République. C'est très important. Même dans vos discours, ce que vous deviez dire, évitez. Quand nous entrons en guerre, pour la libération du Cameroun, on n'entre pas en guerre contre une ennemie ou une tribu. Si tu n'as pas compris, ça veut dire que tu es idiot. Si tu formes ton combat par rapport à une tribu ou bien une ennemie, c'est que tu es idiot. Parce que moi, hier, j'ai vu toutes les tribus du Cameroun être représentées. C'est parce qu'on donne une croix à tout le monde. Dans la foule, vous avez la majorité des ennemis camerounais qui sont là. Ils viennent là-bas, pas parce qu'ils sont de tels ennemis, mais parce qu'ils croient à la République du Cameroun. Donc même quand tu veux prendre la parole, histoire. Il faut cesser avec des conneries machetées. Le pouvoir pour le machet. Non. Il faut cesser ça. Nous ne luttons pas contre une ennemie. Non. Nous luttons contre un groupuscule d'individus qui ont pris en otage le Cameroun, où on y retrouvait tous les Camerounais, tous les ennemis,
sont là, dans cette complicité-là. Écoutez, Paul Biya, la façon dont il est en train d'assassiner chaque jour les Camerounais, vous croyez que c'est seulement les Bounous dans cette histoire? Non. Paul Biya oriente les décisions assassines du peuple camerounais, mais qui est Jabouté accompagné par les Atangadji. Tu vas voir les ministres Momo, Atangadji, tu vas voir les Issa Tiroma, toutes les tribus sont représentées, les Baboken, etc. Tous ces gars, tu vas voir les Laurent Esso, tous. Là-bas, ils ne voient plus tribu. Quand ils se retrouvent ensemble, comment on fait pour protéger notre pouvoir? Pour empêcher ces gens de prendre ce peuple-là, de prendre notre chose. Ils ne regardent plus la tribu, tu vois. Parce qu'ils sont dans du gantérisme politique. Mais il faut se protéger. Ils utilisent donc toutes les armes. Toi qui es idiot, tu parles là-bas. Tu dis, c'est le pouvoir de tête. C'est faux. Momo n'est pas Bounou. Et ce n'est pas Bounou. Atangadji n'est pas Bounou. Kedja Koutès, est-ce qu'elle est Bounou? Mais quand il faut prendre des orientations pour assassiner le peuple, tous valident ça. Mais toi, quand tu veux faire ta communication, tu peux attaquer une ennemie ou bien une tribu. Il faut dépasser ça. Toi qui penses république, qui penses nation, élève-toi au-dessus de la république. C'est très important. C'est très important. Distingue-toi. Même s'ils viennent, parce que pour eux, quand ils viennent, ils ont le pouvoir. Il faut toujours l'intégrer. Et ils ont encore le pouvoir. Mais eux sont dans une logique de confiscation du pouvoir. Mais toi, tu es dans la logique de conquête de pouvoir. Donc, ils ne vont pas étudier. S'ils viennent, ils insultent les Bamouliké. Ils ont déjà le pouvoir, ils s'en fichent. Ils insultent, ils s'en fichent. Ils peuvent instrumentaliser le tribal, ils s'en fichent pas mal. Ils ont le pouvoir. Mais toi qui veux le pouvoir, qui a non seulement des obligations de cohérence politique et de sincérité et d'intégrité, tu ne peux pas utiliser le tribalisme pour atteindre ton objectif. C'est pour ça que vous pouvez voir le professeur Maurice Kamto dans toute sa démarche. Il a sorti un communiqué demandant que les propos haineux, tribalistes, il ne veut pas. Pour tous ceux, en tout cas, qui se revendiquent de lui. Ceux qui sympathisent à sa cause, sortez de cette logique-là. Pourquoi? Parce que notre mission, au-delà de vouloir gérer, c'est ça qu'il faut le dire. Nous, on veut le pouvoir pour montrer à cela. Voilà comment on gère. Mais nous avons une mission d'éducation des masses à la citoyenneté, à la compréhension de la notion de la République, de la nation. Mais tu ne peux pas avoir ce souci pédagogique envers les populations quand tu commences à amplifier ou bien utiliser le tribalisme comme font nos adversaires pour atteindre. Donc c'est pour ça que si tu es parmi nous, tu continues de polluer tel discours, tu es dangereux. Tu es dangereux. Maintenant, ce qu'ils utilisent dans le tribalisme pour nous attaquer, nous avons des méthodes de communication pour les mettre en minorité. Il y a des gars qui font du très bon travail. Il y a une là, Framboise Alette, Alette de Nouvelle Framboise. Allez voir sa communication. C'est pour ça que j'aime ce combat. Ce combat, ça suscite chaque jour. Chacun dans sa spécialité. Alette, Framboise Ndoubé. Sa spécialité, elle a compris qu'il y a un tribalisme d'État qu'on instrumentalise pour diviser les Camerounais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle expose chaque jour les techniques de manipulation de ceux qui nous gèrent. Et regardez ces gars meurent dans leur propre film. On a vu une artiste qui s'est lancée dans ce jeu. Elle est venue, sa communication était d'abord merdique. Mais regardez la riposte et la communication. On n'a pas utilisé les mêmes tags. Vous voyez, mais elle a été déstabilisée et détruite sur la toile. Frère, utilisons le bon sens. Et pour cela, on n'a pas besoin tous d'être des politologues. Utilisons le bon sens. Tu ne peux pas prendre les moyens du diable, combattre le diable avec les mêmes moyens. C'est que tu n'as rien compris. Le mal ne peut pas se combattre avec le mal. C'est que tu brises le premier principe de la loi, de la nature, le principe d'équilibre.
est une loi mathématique. Il y a toujours équilibre. Pour que le mal soit neutralisé, il faut le bien. Tu ne peux pas neutraliser le mal par le mal. C'est faux. Tu amplifies. En fait, en mathématiques, là, tu rends au carré le mal. Ça devient M au carré. Donc, tu multiplies les forces du mal à s'avancer. Or, quand tu veux rabaisser ou bien contrôler la capacité d'une nuisance du mal, tu dois équilibrer les choses. C'est des principes de la nature. C'est-à-dire agir avec le bien. C'est pour ça que le régime en place a des difficultés. Quand on te met en difficulté, regardez, quand on te fait quoi? Parcourir tous les plateaux de télévision de lundi à dimanche. Tous les plateaux. S'il y a 10 plateaux, ou bien 50 plateaux en semaine, le nom de Campo sera prononcé 49 fois dans tous ces plateaux. Sur 50 plateaux en semaine, le nom de Maurice Campo. Toujours en mal, la plupart, toujours en mal. En bien et son milieu. Pourquoi? Parce que la cohérence et la dimension de cet homme, lui, il a décidé de bâtir son combat sur les valeurs cardinales, hein, qui nous dirigent. Lui l'a dit, contrairement à eux, qui utilise le mal pour gérer. Lui va étudier la probité. Ils utilisent tout ce qui est immoral. Lui l'a dit qu'il va utiliser ce qui est moral. C'est ce qui coule dans le bon sens. C'est ce qui rassemble, c'est ce qui associe. Un monsieur, tu lui dis que tu le hais, tu le détestes, il te dit, je t'aime. Vous avez vu ça? C'est les histoires de Jésus de l'époque. Jésus de l'époque. C'est Jésus de la Bible qui faisait ça. Moi-même, pense-moi que je peux faire ça. Quand tu reçois même, exagère pour nous autres. Parce que nous, là, tu ne nous aimes pas. On t'aime pas. Pouf. Tu es qui? Il y a quelqu'un qui va attaquer, non? Tout le temps. Je ne répondais jamais. Quand elle donnait sa dose, il l'a envoyé un autre ordurier là. Mais celui-là ne veut pas lui donner le plaisir. Parce que pour moi, c'est une ordure. Il a envoyé le gars de venir m'attaquer. Oh, lui, il est sorti plusieurs fois. Matin, midi, soir, qu'il fait direct. Stéphanie. Moi, j'aime ça. Mais je suis sorti un jour. J'ai mis Carl. Le gars envoyé SSB m'attaquer. Ben, nous, là, tu nous attaques. On ne te laisse pas. Carl juge que. Et nous, on voulait même te laisser où? Nous, on ne te gérait même pas. C'est que, on a nos mamans là qui nous aiment beaucoup, qui nous regardent. Que quand tu parles comme ça, ça y est, parce que nous, on ne vous suit pas. Ce qui est bien, on n'a pas un faux profil. Et mes amis qui me connaissent, savent ça. On ne suit pas trop. C'est pour ça que certaines informations, moi j'aime mes matères. C'est pour ça que je suis l'ami des matères. Moi j'aime moi les matères. Ma mère m'a tellement aimé que j'aime les matères. Ce sont mes corps, mes mamans. Mais pas aimé le genre où certains font là, bizarre. Parce qu'il y a des martyrs avec des démons dans le combat. Tu t'approches d'eux. Tu changes la direction du combat. Tu es honnête dans le combat. Tu changes. Il y a les martyrs qui ont détourné les gars dans le combat. Nous, les martyrs, là, on détecte ça. On fuit. Maintenant, nous, on a nos martyrs. Qui elles sont pour nous, source de sagesse et d'inspiration. C'est elles qui nous appellent. Fils, on dit oui, maman. Voilà. J'ai dit, ok, maman, j'ai été touché. Non, je ne peux pas, fils, je te connais. J'ai dit, ok, maman, on va donner au moins 30 secondes. Quand on vient, on te met calme. Et tu envoies les gars pour nous attaquer. Maintenant, comme les gars là, on a tué la tête, ils ne nous intéressent pas. Quand tu coupes la tête du serpent, hein, il gesticule, non. Alors, tu me connais. Mais lui, Kanto, tu l'attaques, il ne parle pas. Le président, Kanto. J'habille son nom. Tu l'attaques, il parle pas. Et quand il me parle, il dit, je t'aime. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? C'est ça. Et c'est comme ça que nous allons prendre ça. Et je vous dis, les manœuvres étaient connues. Attendez, il ne s'agit pas seulement. Mais le 3 juin, c'était un combat. Le combat,
Non seulement, on était attaqué de l'intérieur. Des gens qui avaient pour mission d'attaquer la mobilisation du 3 juillet. Des gens crédibles, bon, qu'on estimait entre guillemets, d'une certaine crédibilité, qui ont passé leur temps à vouloir détruire. Hier, ils ont bu la tasse. Ils ont vu ça, ils ont bu la tasse. Non seulement eux, mais il y avait des puissances. Même la France a aidé pour que ça ne passe pas. Quand on arrête, on empêche Kemta d'entrer. Quand tu arrives à l'aéroport, je ne sais pas si vous avez dit ça, il n'y a pas écouté le direct de Kemta. Quand il arrive, les douaniers lui disent là-bas, les gars de la sécurité, en tout cas, à l'aéroport, la sécurité extérieure, lui disent. Il m'appelait caporal grillé. C'est vous, caporal grillé. Et ils ont, en rien, brigade anti-sardina, caporal grillé. Les gars de commission, il faut empêcher ce gars. Il a une capacité de nuisance. Il a une force de mobilisation. Vous qui voulez banaliser, c'est un politique, le geste. Pourquoi? Les gars ont tout fait. Maintenant, il y a des contradictions. Ils ne peuvent pas. Ils disent qu'ils sont des états de droit. Ils sont venus donner la légalisation. Mais maintenant, il y a des techniques pour empêcher que la mobilisation se fasse. Tu comprends un peu? Ils étaient curieux. Mouf, je ne suis pas là pour faire les amis, j'attaque, mouf. Je sais pas, on t'a dégage. Qu'est-ce que c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Tu vois, les démons vont se réveiller bientôt. Laisse les histoires de la diaspora là, mon ami. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Mouf. Tu ne connais pas les gars là? Les démons vont les rattraper. Tu n'as pas vu hier? Il y a certains qui ont fait quoi à certains? Qu'ils sont bien, non? Vous n'avez pas vu les démons les rattraper? À moins de 2 minutes, les démons ont rattrapé. Mais corse, ils ont semé le Congo. Et tu viens me dire que ça va aller. Ouf, tu ignores la diaspora. C'est comme ça. Et c'est ça qui fait le combat. Va avec tes histoires. Qu'après ça va aller. Ouf, ça part en vrille depuis. Tu fais quoi? Dégage. Nous, on parle. Nous, on dit. Hier, yeah. C'était bien, non? Mais même hier là-bas, même si on ne veut pas parler, il y a les démons qui ont rattrapé certains. Même si on doit calmer. Il y a d'autres. Ça les a rattrapés en direct, les démons. Mais heureusement que la réussite de l'événement a saupoudré, a tamisé ça. Là, tu te dis, il y a trop de démons dans la rue. Même pas. Peut-être. Je suis sûr qu'aujourd'hui, là, même ce soir, même avant moi, il y a des démons, les directs de clash qui ont commencé. Et ça va continuer. Vous n'avez pas changé ça. Mais maintenant, le plus important, c'est ceux qui connaissent la mission. Vous n'allez jamais, il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de personnalités, vous ne pouvez pas gérer ça. Chacun vient avec son démon dans le combat. Il faut faire avec qu'on avance. Donc, ce n'est pas toi qui vas nous dire, ma chère, que ça va aller. Tu vas arrêter ça, car. Tu peux pas. Les Camerounais sont difficiles. Maintenant, ce qu'on fait, il faut responsabiliser chacun. Mettre chacun devant son fait. C'est le plus important. Donc, ce combat, c'est qu'il faut comprendre. Non seulement nous avons été attaqués de l'intérieur, mais la même patrie assassine s'est engagée aussi à pouvoir démobiliser parce que la pression était de taille. Yaoundé ne voulait pas voir une telle réussite. Écoutez, vous voyez une telle réussite, le leader n'est pas là physiquement. La nuit, on paye les médias à gage pour expliquer qu'il a eu un refus de visa. C'est qu'ils n'ont pas, surtout qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils sont idiots. Mais qui vient dire qu'il n'a pas eu de visa, etc. pour démobiliser les Camerounais. Les Camerounais vous disent seulement au son du nom de cet homme, nous allons nous manifester. On n'a même pas besoin qu'il soit là physiquement. Mais seulement au son de son nom, le son de son nom, nous allons être là. On a vu les Camerounais se déplacer, des familles prendre le transport, être sur le terrain. Donc quand je vois des gens qui font des acrobaties, ne pas assumer, mes chers frères, le combat de ce Cameroun ne porte à cœur. Nous, ça fait depuis 25 ans. Que l'opposition camerounaise a été, je le répète et je dois le dire, parce que en pédagogie, là, la répétition est mère de toute pédagogie. C'est très important. Il faut le répéter. Depuis 25 ans, le Cameroun est sevré d'une véritable opposition, néanmoins d'un véritable opposant à M. Paul Biya. Et Paul Biya a fait croire à cette communauté internationale qu'il n'y a personne qui puisse gérer le Cameroun après lui. C'est pour ça que la question, lorsque la question d'évolution du pouvoir se posait sur la table, on lui demandait, même ses amis français demandaient, mais qui va? Il y avait une certaine habitude, un certain flou encadré, où on te faisait croire
où ce monsieur a fait croire qu'il est non seulement éternel, mais qu'il n'y a même personne sur les plus de 27 millions de Camerounais, qu'il n'y a personne qui puisse lui remplacer. Non, donc, qui à un moment avons été dépolitisés. Parce que nous avons vu le bon spilatisme de certains hommes politiques, des rentables, dans ce pays-là. Nous avons voté les sacs des politiciens au pays, on croyait à certains hommes. Mais ces hommes avaient une spécialité. Utiliser la contestation politique comme passerelle d'accession à une plateforme financière ou bien un poste de nomination. Tu vois quelqu'un venir insulter, raconter, dénoncer le régime en place. Mais la nuit, nous on a vécu des choses. J'ai rencontré certains dans des couloirs, allaient décharger de l'argent. On a trompé. Et il vient vous dire, le peuple c'est qui? C'est rien, machin, tout, etc. Chacun. Et M. Biya et son régime ne s'est pas maintenu depuis 39 ans parce qu'il est faux. Mais c'est à cause de la bêtise et de l'impertinence de l'opposition camerounaise qu'il a su se maintenir. Parce qu'il sait quoi? Tous ceux qui émergent, ou même qui veulent se lever, qui bavardent, ils donnent l'argent, ils essaient de corrompre, et ça passe. Mais après 25 ans, on a un monsieur qui décide d'être aux côtés du peuple camerounais, que beaucoup n'ont même pas vu venir. Moi qui vous parle, je n'y croyais plus. J'étais dépolitisé. C'est quand je viens m'installer, m'occidentaliser ici, m'installer en tout cas, me sédentariser ici en Europe, que je remarque que la cohérence de ce monsieur pour le cas du Cameroun est quand même originale, exceptionnelle, selon le contexte politique camerounais. J'étudie, parce que j'étais devenu très prudent. J'étais tellement déçu. Un monsieur qui refuse toutes les propositions, la corruption, qui assume, qui préfère subir humiliation, arrestation, dénigrement, insulte, parce qu'il milite pour l'émergence d'un nouveau Cameroun. J'ai dit ce type, il faut lui apporter le soutien. Je ne peux pas rester indifférent. Nous, on cherchait ça. C'est pour ça que nous, de manière, nous n'avons pas besoin d'adhérer dans le MRC. On n'a pas besoin d'être un proche de mourir, du professeur Maurice Kamton. On n'a pas besoin d'être à côté de lui, on n'a pas besoin de le saluer, on n'a pas besoin qu'il nous nomme, ou bien, nous on ne veut pas ça, c'est des conneries pour nous, c'est des salades de café de commerce. Mais juste, on voulait juste quelqu'un qui pouvait porter nos aspirations, parce que la tâche pour la libération d'un pays, elle est lourde. Il faut un monsieur d'une certaine dimension, qui doit faire un dépassement personnel. Parce que ce monsieur, écoutez-vous, en s'attaquant au régime en place, il y a un certain député qui était qui l'a rappelé à l'Assemblée française que Maurice Kamton, lorsqu'il s'attaque à Paul Biya, il faut que ce soit clair. Il dit, c'est lui qui cite, je le cite, Maurice Kamton, Bamileke de l'Ouest, à s'attaquant à Paul Biya, s'attaque aux intérêts français. Il s'attaque aux intérêts français, il était clair. Lors d'une audition du ministre des Affaires étrangères, à l'Assemblée nationale française, le député Carter, qui rappelait la position de la France, qui exposait de manière visible la France-Afrique. La France-Afrique, dans une méthode revue, révisitée, version sophistiquée à la face du monde, qui assumait la France-Afrique, qui a dit clair, quiconque s'attaque à Paul Biya s'attaque à la France. Donc c'est plus un débat. Ceux qui racontent, les faux panafricanistes là, ceux qui ensorcellent les Camerounais, les Africains, sont de panafricanisme, de caniveau, de croutonnerie, de mensonge, la perdition de la jeunesse africaine. Il était clair. Vous ne pouvez pas soutenir des hommes comme ça et faire croire aux peuples africains, aux Camerounais, que c'est ces gens qui luttent contre l'impérialisme français, alors que la France sait très bien que ce sont des girouettes politiques qui encadrent le sentiment de désolation de nos populations, et vous soutenez ça. Donc quand ce monsieur s'élève, Maurice Kamton, non seulement il s'attaque au régime, mais il s'attaque à une puissance, cinquième puissance du monde, la France. Une forte puissance sur le plan politique, diplomatique, militaire, c'est une puissance, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Puissance nucléaire, militaire, diplomatique,
politique, on connaît la capacité de nuisance de ces gens. Ne s'attaque à eux. Mais il assume. Il dit c'est son combat. Même si c'est difficile. Je refuse de voir le fatalisme que les gens veulent faire développer. Même si c'est un déterminisme qu'on veut nous dire que c'est comme ça, que ça marche, ça fonctionne comme ça, que tout est déterministe. Moi, je refuse de croire cette vision. Nous avons le libre choix de décider, de transformer notre lendemain. On ne peut pas avoir ce que nous avons en tant que peuple camerounais et souffrir de misère et de précarité. Alors, je me prête à ce jeu, comme cet homme, à m'offrir comme cet agneau sacrificiel pour libérer non seulement mes compatriotes, mais les générations futures. C'est pour ça que nous le soutenons. Nous le soutenons et nous l'aimons. Et son soutien, je tiens à vous rappeler que tous ceux à qui j'ai apporté mon soutien, que j'ai porté, n'étaient pas de mon ennemi, les hommes politiques en qui j'ai cru. Mais j'ai lâché la plupart. Je ne vais pas citer le nom pour faire une publicité. La plupart de ceux dont j'ai porté le sac, quand je soutenais, n'étaient pas de mon ennemi. Je croyais. Mais c'est que j'ai su par après que c'était des rentables politiques. J'ai lâché. Je ne peux pas. Nous, on sait où on veut aller. On sait ce que l'on veut. Nous aimons la terre, patrie, le Cameroun. On ne peut pas m'acharner des rentables politiques. C'est impossible. Donc, si tu nous connais, nous, on n'a pas la considération villageoise de la politique. On regarde la valeur intrinsèque. Est-ce que ce monsieur a les coudées franches? Est-ce que il se dissocie des thèmes politiques qui existent dans le champ politique camerounais? Oui. Il est clair. Il est crédible. Il n'a pas faim. Il a tout ce qu'il a sur le plan. Sa statue sociale, il est rassure. On peut l'encourager. C'est pour ça que nous nous battons de manière bénévole. Dans le bénévolat pour le soutenir. Sans calcul. On ne calcule rien. On ne veut rien. Mais on mérite. Parce que pour nous, il est cher pour la libération. Et d'ailleurs, l'histoire des humanités nous renseigne. Aucune progression de société ne s'est faite sans la participation d'une œuvre humaine. D'un moment, pour transformer votre vie, il faut que les hommes incarnent ces valeurs. Quand il y a des gens qui les néaient, qui ne comprennent pas le sens. Mais j'aime ce combat. Parce que si tu veux prendre trop d'auteur, tu obtiens, tu fais genre. Tu te détruis, tu descends pas. J'ai vu dans ce combat des gens qui étaient dans un certain piédestal. J'ai vu chuter. Ils font pitié. Pourquoi? À cause d'une certaine impertinence, manque de vision, de démarche. Et le 3 juin, chez Diaspora, ça a démontré. Vous avez donné un sondant politique à tous ces gens. Maintenant, qui la boucle, s'ils ne veulent pas être d'accord, surtout qu'on ne va pas faire avec tout le monde. Je ne suis pas un rêveur. On ne peut pas faire avec tout le monde. Je ne suis pas un rêveur. Mais le plus important, c'est que nos amis qui connaissent la vérité, nos amis qui se battent pour la justice, ne restez pas silencieux. Mettez-vous toujours, comme vous avez fait hier, mettons-nous toujours ensemble. Pour faire avancer la dynamique, pour faire avancer le combat. Cherchons ce qui rassemble, ce qui est juste, ce qui apporte à nous. Et nous allons combattre, aller dans cette victoire. Maintenant, pour certains de nos amis, ceux qui veulent reculer devant là, le devant là c'est difficile, hein? Il faut gérer sa personnalité. Mais peut-être en même temps on va dire des choses. Mais j'ai vu des choses bizarres. Il ne parle pas. On dit que tu vous parles. Il va gâter tout. On dit que c'est la paix. Ok, je ferme ma bouche. C'est la paix. Mais vous là,
vous faites bien, vous avez très bien fait. Mais sur le plan comportemental, il y a beaucoup de choses à refaire. Si vous voulez l'approbation, soyez des exemples. Comme le professeur est un exemple. Il marque, de par son exemplarité, le respect. Il n'a demandé à personne de l'aimer. Il n'a demandé à personne. Mais c'est la cohérence, la trajectoire de cet homme qui fait en sorte que nous l'aimons et nous l'adorons. Donc c'est un succès. Un succès total. Et je veux que dans cet esprit, nous continuions de continuer dans cet esprit et de faire comprendre que personne ne peut faire le chantage à notre combat qui nous est très cher. Si quelqu'un est découragé, parce qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes psychotiques, qui s'ignorent comme étant des malades. Il y a beaucoup qui sont malades, qu'il faut traiter. C'est pour ça qu'il faut exercer une certaine thérapie, un électrochoc, même si ça ne doit être pas la parole, pour les réveiller. Après, ils reviendront. Cher peuple, vous êtes une force pour la libération du combat. Et merci parce que le professeur nous a remerciés. Son parti nous a remerciés pour cette grande mobilisation. Et nous disons merci à tous ces hommes et femmes qui sont mobilisés pour la réussite. Merci pour ces mamans, pour ces hommes qui sont déplacés d'Allemagne, de partout, j'ai vu plusieurs, de toute la France, toutes les contrées de l'Europe, pour finir, pour la réussite de cet événement. C'est vous les champions. C'est vous les meilleurs. Le combat continue. Il y a un événement qui arrive. Soyez prêts. Ça doit être un autre événement, d'une autre dimension. Dans les jours qui viendront, la communication sera plus précise et plus exacte. Soutenez cet homme. Vous le soutenez. Si on vous dit que c'est le culte de la personnalité, vous dites non, c'est le culte de l'excellence. Et c'est la gratitude d'un peuple envers son leader. Je vous aime. Portez-vous bien. Merci. Le combat continue. Que personne ne vous ébranle. Que personne ne vous empêche d'allumer votre flamme pour le soutenir. Continuez dans ce sens. Que personne ne vous limite. D'ailleurs, j'ai vu que ce nom est un nom puissant aujourd'hui pour le peuple camerounais, de par cette mobilisation. Bravo à vous. Bonne soirée.